voudrais consulter le dossier sur l'affaire du Sierra pour pouvoir passer en revue des anciens noms et trouver des liens, peut-être même retourner au luxe. Parce que tous les jours, le gamin passait devant cette boîte de nuit. Ensuite, il prenait à droite et il se dirigeait vers les terrains de basket. Il s'agit des mêmes terrains où Marlon Rochelle jouait. Marlon Rochelle ? On a coffré ce gosse deux fois pour des affaires de drogue. Ça n'empêche pas sa mère de m'appeler quatre fois par mois. Écoute, là, il s'agit d'un enfant de 9 ans qui a disparu. Un gamin blanc, monsieur. On a fait notre devoir pour Marlon Rochelle et ça n'a strictement rien donné. Ce gamin était un PD. Soit il est défoncé quelque part, soit il est au fond de l'Hudson. Il n'empêche que sa mère a le droit de savoir ce qui lui est arrivé. On a deux gamins qui ont disparu à 11 mois d'intervalle. Et on n'établit aucun lien entre eux. C'est vrai, Marlon se droguait, mais on lui fait beaucoup de tort si on ne s'occupe pas de son cas à cause de ça. Ce n'était qu'un gosse.